Alors, moi, je vais vous proposer 5 modes de résistance, des manières de penser qui vont vous permettre de dégommer la propagande, en tout cas de faire attention à ce qui se passe dans votre vie vis-à-vis de ça. La toute première, et c'est une des plus importantes pour moi, c'est d'évaluer correctement sa liberté. Parce que quand on estime qu'on est insensible à la propagande, c'est le cas le plus typique après nos conférences, jusqu'à ça, les gens disent: non, mais moi je ne vois pas la publicité, de toute façon je suis insensible. Et ben on fait une erreur, c'est qu'on considère que la propagande, que ce soit publicitaire, gouvernementale ou autre, hein, c'est à peu près les mêmes méthodes, fait appel à notre conscient. Or, si c'était le cas, ben, justement, ça se saurait et on pourrait la bloquer. Mais non, en réalité, on ne la bloque pas. Plus on a cette idée qu'on va consciemment réussir à faire quelque chose, moins on réussit. C'est la recherche de Guéguen et Pasquale de 2000 qui indique que quand on étiquette quelqu'un comme étant libre, il a tendance à plus faire ce qu'on lui demande de faire. Ce qui est complètement paradoxal. Il s'agit d'une étude sur le fait de donner quelques sous. Et bien, si on demande des sous dans la rue à quelqu'un, il y a 10% des gens qui donnent des sous. Si on leur dit qu'en plus ils sont libres de le faire ou pas, et bien, il y a 47,5% des gens qui donnent de l'argent. Donc ça multiplie par 4 quand même. La soumission librement consentie. Donc, évaluer correctement cette chose-là et y porter de l'attention. Et donc, du coup, ça c'est l'action qu'on peut faire, c'est prendre du temps pour regarder ce qu'on fait, regarder ce qu'il y a. Ne pas sortir la publicité ou la propagande ou le texte journalistique du radar, au contraire, puisque justement c'est là qu'il veut être, en dessous de vos lignes de flottaison, pour passer au niveau sous-marin, mais au contraire de le faire émerger et de le regarder volontairement. C'est-à-dire, je vais regarder ce qu'il y a dessus, quelle est la signification de ce mot, est-ce que je le comprends? Est-ce que dans la bouche de la personne qui le dit, ça signifie la même chose que ce que j'ai envie d'entendre? Parce que souvent, en plus, on prête à l'autre les intentions qu'on a bien envie de lui prêter. Donc, passer un moment pour faire ça. Ça, c'est le deuxième point, de se cultiver sur la manipulation en général et la propagande. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle l'effet Dracula, qui est que quand on connaît une technique de manipulation, elle marche moins bien. On a vu sur des images subliminales, si dans un film on passe une image sur 25 pour du pop-corn, à la sortie du cinéma, la vente de pop-corn explose. Mais si juste avant le film on dit aux gens: attention, dans ce film il y a quelque chose, sans leur dire spécifiquement quoi, eh ben, les ventes de pop-corn n'augmentent pas à la fin, bien qu'ils ne sachent pas de quoi il s'agit et qu'ils ne sont pas cultivés énormément là-dessus. Si on leur dit: attention, il y a un truc pour vous manipuler dans ce film, ça fait baisser les ventes de pop-corn. Donc, comme quoi, tout n'est pas perdu, il y a quand même, avec un peu de culture, on peut arriver à faire les choses. Ensuite, puisqu'il s'agit de manipuler vos décisions, in fine, le troisième point, c'est l'idée de prendre vos décisions en plusieurs fois. Ne pas être soumis à vos pulsions, soumis à vos désirs, mais bien évaluer correctement vos besoins et d'évaluer correctement le bénéfice rationnel de votre décision. Puisque la plupart du temps, le bénéfice rationnel, là donc on parle bien de fonctionnement encore une fois conscient, donc strate corticale du cerveau, alors que la plupart du temps, la propagande va aller toucher vos strates limbiques, émotionnelles. C'est bien pour ça que souvent les gouvernants font, à l'extrême droite, ils sont extrêmement doués pour faire des appels à la peur, c'est le viol, c'est vous allez perdre votre emploi, etc. Donc là, on n'est pas du tout dans quelque chose de rationnel, on est tout à fait dans quelque chose d'émotionnel. Parce que quand on regarde les yeux, ce n'est pas du tout le cas, il n'y a pas plus de viols par les migrants que ça, il y en a même peu moins. Donc c'est pas du tout rationnel. Donc quand on prend une décision, de la mûrir, de la réfléchir, que ce soit un acte d'achat, que ce soit un acte politique aussi, c'est pas quelque chose qui se prend au dernier moment. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a énormément de gens qui prennent leur décision de vote dans l'isoloir. Donc là, c'est le summum du relâchement, on va dire, en termes de propagande. Et le fait qu'on ait eu un grand hypnotiseur, parce que c'est un peu ça, et je suis désolé de coller ce mot-là, parce que pour moi, il est positif comme président actuellement, parce qu'il a été sa campagne a été hallucinante, blindée de techniques d'hypnose. Ça montre que, hélas, ça marche et qu'il faut vraiment faire gaffe à qui on confie sa voix si on est pour confier sa voix à quelqu'un. Donc, prendre ses décisions en conscience et en plusieurs fois. La quatrième chose, c'est changer d'avis. Une fois que vous avez pris votre décision, n'en devenez pas prisonnier.
C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez voté socialiste que vous pouvez pas aller plus à gauche, voilà, par exemple. Mais c'est aussi en ce qui concerne les abonnements. Ça fonctionne énormément comme ça, les abonnements. C'est tout l'enjeu de vendre vos abonnements, c'est de vous le vendre le premier. Parce qu'après, on a tendance à faire ce qui s'appelle adhérer à ses propres décisions. Parce qu'on valorise dans notre société la consistance, la permanence, d'être sur une ligne durable, etc. Sauf qu'en réalité, être sur une ligne durable, quand les conditions extérieures changent, ça peut en réalité, pour un même comportement, vous amener directement dans le trou. Parce qu'un endroit, vous pouvez prendre une ligne de train qui est très bien, puis si à un moment les rails sont pétés, il faut sauter du train, quoi. Donc n'hésitez pas à changer de décision, quitte à parfois prendre une décision radicalement opposée à celle que vous aviez. Donc ça suppose parfois de prendre des décisions à plusieurs. On peut aussi demander des conseils, enfin, c'est prendre son temps, c'est se poser. Et puis, le dernier point que j'aimerais aborder, donc le cinquième point, c'est l'idée de ne pas confondre le messager et le message. Parce que la plupart du temps, dans les ateliers qu'on anime, les gens ils confondent la personne qui va être, entre guillemets, la toute petite bout de la ramification de l'entreprise générale de propagande, donc le vendeur, le militant, etc., avec l'entreprise générale de propagande. Sauf que quelqu'un qui essaye de vous vendre de la téléphonie, qui est au Maroc et qui a eu ce poste-là parce que il parle un français sans accent, parce qu'il a un DESS de biologie qu'il a passé à Lyon par exemple, et puis qu'il se retrouve dans son pays, mais que plutôt que de faire avancer la science, ça paye mieux d'aller bosser sur une plateforme téléphonique pour aller vous embêter et aller chercher à vendre des forfaits. Il va vous embêter. Lui, il fait juste essayer de vivre et on lui donne un certain nombre d'éléments pour arriver à le faire. Mais il fait juste ce qu'il peut. Et du coup, il ne faut pas confondre cette bataille à ce niveau-là de réflexion, quoi, le niveau de bataille de pauvres, puisque bien sûr, l'idée c'est que les pauvres se battent entre eux. Et puis, les officiers qui sont dans les quartiers généraux au-dessus et qui eux savent exactement ce qu'ils font, parce que la plupart du temps, ceux qui sont en bas savent pas. On leur dit, le script c'est ça, tu dis telle chose, etc. Puis quand tu les as au téléphone et que tu leur dis, là vous êtes en train de me faire telle technique, donc je ne peux pas vous répondre autre chose que oui, donc je vais me permettre de vous répondre non, ils disent, pourquoi ? Et en fait, ils se rendent pas forcément toujours compte de ce qu'ils font et il y a besoin d'une forme d'organisation collective, non seulement avec ces gens, mais aussi entre nous, puisqu'il y a un certain nombre d'éléments qui ne sont pas dépendants de seulement votre action individuelle. Il y a aussi des éléments, on ne peut pas résister aux bâches qui font 20 mètres par 10 sur les bâtiments publics en réfection sans passer par un aspect législatif. Et là, ça passe par l'organisation collective, ça passe par une prise de conscience. Donc ça suppose de partager vos réussites quand vous réussissez à dégommer un truc de propagande en disant « Ah tiens, t'as vu, là, en fait, il essaye de nous vendre de la néocolonisation sous prétexte de faire de l'humanitaire, j'en sais rien. » Et aussi vos échecs. C'est-à-dire que moi, quand j'en ai pris pour 2 ans chez Ross Moisir, à m'abonner à des livres, donc je ne dis pas le nom, bien sûr, sinon je pourrais avoir des soucis, mais je le dis. Je dis, je me suis fait avoir et j'ai pris du temps pour réfléchir à comment je me suis fait avoir pour que d'autres se fassent un tout petit peu moins avoir. Voilà, ça c'était ces 5 astuces techniques qui peuvent être rassemblées sous une idée générale, c'est y mettre des savoirs, de la connaissance et de la conscience dans ce qu'on fait, donc des ressources, parfois en temps, parfois en sous, ça peut être s'abonner à CRIMED, regarder RSE sur image, prendre des cours d'autodéfense intellectuelle, pour économiser des ressources, à la fois à vous et au collectif, sur le long terme. Alors pour moi, dans la mesure où c'est un choix que j'ai fait, évidemment, je vais répondre oui à ta question, parce que j'ai fait ce choix-là. Il faudrait poser la question à ceux qui ne font pas ce choix-là, pour savoir, pour avoir justement une pluralité d'opinions. Moi, je pense que ça s'insère tout à fait dans l'idée de se cultiver là-dessus et de promouvoir l'effet Dracula et de faire disparaître la propagande par la lumière qu'on va mettre dessus. L'idée étant de cultiver les gens, l'idée étant de aussi partager les échecs et les réussites. Et la conférence gesticulée, ça permet de faire ça. Ça permet d'arriver avec des savoirs très universitaires, de sortie de la psychologie sociale ou de l'hypnose, enfin des choses comme ça, et en même temps de mélanger des expériences perso de comment je me suis fait avoir ou pas
par au cours de ma vie de simplement d'être humain qui lit des journaux, qui passe de temps en temps acheter des choses. Donc oui, ça en participe énormément. Vu que c'est l'option que j'ai prise, je pense que c'est important. Ça n'empêche pas que ça reste un travail qui, à mon avis, doit être complété par des ateliers. C'est toujours souvent les conférences gesticulées, il y a généralement des ateliers autour. L'idée, c'est qu'on mette les gens en action. La conférence gesticulée, ça les met en réflexion, ça va allumer quelque chose, ça va parfois en fait stocker du bois, puis allumer le feu, ok, mais derrière, si on veut que ça avance, il faut mettre la machine à vapeur qui est au-dessus du feu. Et ça, souvent, c'est les ateliers qui aident à faire ça. Une des pistes que je peux vous suggérer, c'est justement d'arriver à vous détacher de l'émotionnel. Et comment on peut le faire ça? Alors, ça a l'air d'être très développement personnel, QI, tout ça, mais pourtant, ça fonctionne assez simplement. Quand vous avez des grands accès de bouffée d'émotions, qu'on vous a donné une information sur une attaque terroriste ou ce genre de choses, parce que c'est une très bonne manière de manipuler les gens, on appelle ça la stratégie du choc, c'est simplement de vous poser dans le présent. En fait, vous respirez un moment. Vous êtes juste là et au lieu en fait de laisser fonctionner vos fonctionnements entre guillemets ordinaires d'anticipation de qu'est-ce qui peut se passer pour moi, etc. et qu'est-ce que ça et plus tard éventuellement et puis je ne sais pas parce que c'est un processus mental qu'on peut avoir, hein, le processus d'anticipation, c'est aussi lié au rôle de protecteur de l'inconscient, d'assurer notre survie, donc aussi d'envisager le pire, et bien de ramener votre fonctionnement à maintenant. Et ramener son fonctionnement maintenant, c'est extrêmement simple. C'est je sens mes pieds, je sens mon dos, je sens où j'en suis, je respire. Et qu'est-ce que ça me fait de lire ça et du coup de mettre un mot sur l'émotion? Donc là, on rentre dans des trucs qui se rapprochent plus de la communication non violente, mais envers soi-même, donc d'auto-empathie, de se dire comment, c'est quoi cette émotion-là? D'où elle vient? Quel besoin ça vient toucher chez moi? Et pourquoi ça me titille? Et là, d'un seul coup, on peut commencer à prendre du recul, mais avec des choses très simples qui sont d'être juste, faire appel à votre ressenti physique, nous on appelle ça kinesthésique, de maintenant je suis où. C'est pas plus complexe que ça, c'est je touche la table, je touche ma main, j'ai les mains sur le journal, ok, qu'est-ce que ça me fait? Et simplement sortir de la bouffée émotionnelle, qu'il faut parfois vivre, mais il ne faut pas la connecter à la décision plus tard, il faut impérativement passer par cette étape de « Ok, qu'est-ce que ça touche ? Et qu'est-ce que j'aurais envie spontanément de faire ? Pourquoi ? Et qu'est-ce que je vais avoir envie de manière réfléchie de faire plus tard ?»